Good morning les amis, bienvenue à cette nouvelle session de Mountain Blade Warband. Donc je sais que beaucoup attendaient cette nouvelle session. Ah, parce que j'ai pas tourné de session de Warband depuis quoi, 2 ou 3 semaines. J'étais plutôt sur Town, histoire de faire une petite pause dans le Warband, dans le Mountain Blade. Parce que bon, 3 semaines de suite, c'était... Enfin, je me suis dit qu'il fallait faire une petite coupure, voilà. Donc, si je me sens bien, recruteur, d'accord. Si je me sens bien, oui, donc oui, j'avais fait mon empire, mon empire. Pour l'instant, c'est juste un petit château tout moisi, mais bon. Je vais tous les défoncer, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, honneur moins 25, ouais, bon. Relation avec les factions. Je suis en guerre avec les Soudiens et vais dire les Nordiques. Car dans mon souvenir, je suis en guerre avec les Kyrgyz. Bon, bah tant mieux. Je suis copain avec eux. Ah, ma souris marche moins bien que jamais. C'est beau. Oh là. Ah, c'est horrible. Faut vraiment que je vais en changer voilà, dans le mois qui vient, voire au pire dans les 2 mois qui viennent, je changerai de souris parce que j'en ai marre. Bon. Pourquoi il y a... Oui, c'est vrai, mais pourquoi il y a des Kyrgyz ici? Si quelqu'un joue au mode diplomatie et peut m'expliquer pourquoi il y a des Kyrgyz qui sont ici et là, sans avoir fait de guerre, bah, je serais ravi d'entendre la réponse parce que je vous avoue que je me pose la question. Bon, ça m'arrange, ça fait déjà 2 châteaux au moins envahir, mais bon, ça m'arrange. Je me pose quand même la question. Donc eux, me font la guerre. Oh là là. C'est la ligne du mal, ça. C'est un bloc énorme. Ah mais ah, ils sont collés, donc ça fait, ouais, ça fait un énorme bloc. Et moi je suis ici. Je me dis du coup que ça aurait été mieux que j'envahisse un petit château au fin fond là-bas. Ça aurait été plus dur à tenir, mais bon. Et moi je pourrais me protéger avec les Rodoks. Donc ça, alors oui. Par contre, les Soudiens sont en guerre avec les Rodoks et les Saranides. Bon bah du coup, ça veut dire que les Rodoks pourraient passer à côté de moi pour me défendre. Les Vaigir sont en guerre avec les Kyrgyz. Ça m'arrange, ça ouvre un flanc. Et le royaume du Nord est en guerre seulement avec moi. Ça m'arrange pas. Ils sont en commerce avec les Kyrgyz, carrément. Trêve avec les Vaigir et en paix avec les Soudiens. Sachant qu'on est en plein conflit, il y a peu de chances qu'ils commencent à s'entretuer. Ça s'annonce très mal pour moi. Et pourquoi ça m'a fait des... Ah oui, ce léger détail. Je crois que je vais recruter des troupes, pas importe lesquelles, les plus pourries possibles, je vais les mettre là. J'en ai pas envie du tout, mais bon. Là, ce qu'il faut, c'est remplir à mort. Marchand is missing, d'accord. Non, pas cool. Vateux. Près de Pagondour, trahison d'un seigneur. Alors vers le royaume de Soudia et rejoint le canal de Kyrgyz. Wouhou! Ah, ça c'est des copains. Je vais vous massacrer. 43, je vais vous massacrer quand même. Mais j'ai pas de casque. Fais chier. Alors c'est quoi? C'est comme ça. Vu le nom, j'ai d'abord... Ah, allez, voilà. Je vais quand même débuter avec du tir à l'arc. Et après, j'enchaîne. Je sais plus. J'ai ma lance. C'est parfait. J'ai mon hache. Donc, ils ont du javelot. Ça, c'est sûr. S'entretuer, ce serait pas mal quand même.
Enfin bon, c'est quand même pas aussi mauvais, malheureusement. Aïe, fumier. Aïe, aïe, aïe. Ils savent viser quand même, ces fumiers, ils savent viser. Je voulais préciser 2-3 petits trucs au début de la vidéo, histoire de... pour le préciser dès le départ, mais je me souviens plus ce que j'avais à dire. Donc revenons... je vais tirer à l'arc le temps que je me souvienne. Aucune flèche restante, ah, ça m'arrange pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? La semaine... oui, pour commencer, je ne tourne pas d'émission le week-end prochain. Tout simplement parce que la semaine suivante j'ai mes examens, donc je me concentrerai sur les révisions. Enfin, surtout sur examen, en fait, sur les examens de manière générale. Et je tournerai une émission juste après, ça sera sur Mountain Blade, hein, comme promis. Ah, j'avoue que ça m'avait manqué ces petites joutes. Ah, si tous les combats étaient aussi simples. Enfin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La session ne durera que 2 heures parce que j'ai déjà 2 épisodes de Tones que j'upload aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est... Oui, c'est lundi. Pour vous, ça fera sans doute hier en fait. Normalement, ça sera hier. Donc, par contre, je me suis pas encore décidé, est-ce que je fais des épisodes de 15 minutes ou de 20 minutes pour cette semaine. Donc je pense que je vais tourner et puis en fonction de la longueur de ce que j'aurai à filmer, je déciderai. Ah oui, ça m'est revenu ce que je voulais dire. Ça m'est revenu à force. Donc sans doute vous avez entendu parler du fait que Disney a fermé le studio LucasArts. Donc pour ceux qui ont connu des jeux comme Dark Forces, Star Wars Dark Forces ou encore les Jedi Knight, hein, c'est quand même assez triste. Ou tout simplement pour ceux qui ont connu The Secret of Monkey Island, ah, le point and click. Enfin bref, je perds mes mots à cause de l'émotion. Bref, donc je tournerai quelques émissions en plus, voilà, en plus des émissions que je fais régulièrement. Pourquoi je dis émissions maintenant? Des sessions, oula. Je ferai des sessions supplémentaires en plus de celles que je fais habituellement, en faisant des sessions sur des jeux Star Wars pour rendre hommage à ce grand studio qui, on est d'accord, n'a pas fait toujours des excellents jeux, mais on a fait quand même. Et puis c'est Star Wars, c'est LucasArts, on s'en fout, ouais, c'est comme ça. Donc si certains d'entre vous sont fans, vous avez dû être touchés aussi par cette nouvelle, et les autres, bah vous en foutez en fait. Allez. Ah, Mountain Blade, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Enfin bref. Donc par exemple, ce week-end, il y avait... Je commence à parler au passé, oula. Bon, j'ai du mal encore avec... Est-ce que je dois parler au présent ou au passé? Bon bref, je vais parler au présent. Donc, oui, l'offre se termine aujourd'hui. Il y a 66% de remise sur tous les jeux Star Wars dans la boutique Steam. Alors j'avais profité, je me suis pris toute la série des Jedi Knight pour 66€. Oui, bien sûr. Pour 10, moins de 10€. 66€, ça fait un peu cher. Surtout qu'avec la réduc, ça fait quoi? Ça fait le Star Wars Collection, pratiquement.
Star Wars Collection que j'ai pas acheté parce qu'en fait pratiquement tous les jeux qui sont proposés je les ai. Si je ne les ai pas tous, il faudra que je vérifie un petit peu la liste. Bref, donc je ferai des sessions sur les Jedi Knight. Alors j'en parle pas plus. Je n'en dis pas plus, hein, on verra directement. Donc je pense que je tournerai vite fait une session pour ça, sans doute dans la semaine, dès que j'ai, si j'ai 5 minutes. En sachant que ce ne seront pas des séries de vidéos très longues. Normalement, elles devraient se terminer vite. Bref, ces bandits commencent à m'énerver, ils sont super loin à tuer. Bon, remarque, c'est pas pire que la fois où j'ai combattu une quarantaine de sergents Rodok. Enfin, si je me souviens bien, c'était des sergents Rodok. Après, je dis peut-être de la merde, si c'est possible. Faudrait que j'aille revérifier la vidéo. Ça se trouve, c'était... Ah, c'était peut-être pas des lanciers vétérans, je me pose la question maintenant. C'était pas des lanciers vétérans, plutôt. Que je sais qu'à un moment j'ai défoncé des sergents Rodok, mais ils étaient peut-être pas une quarantaine, remarque. Faudra que je regarde la vidéo. Allez. Ah, sérieusement, je suis vraiment fan de ma lance. Autant à pied elle sert à rien, autant à cheval c'est une arme dévastatrice. Alors lui se bat avec une flèche dans la tête. J'aime ce jeu! J'aime ce jeu quand on peut se balader avec une flèche dans la tête. Ça me rappelle tellement Minecraft. Le côté bac à sable en moi. Oh, comme il est mignon. Il se met loin tout seul, tranquille dans son coin, en espérant que je le tuerai pas. Je perds de la vitesse avec la pente. Vu que ça prend du temps, je crois que je vais parler un petit peu de mon actualité. Sauf que bon, oui, donc les vidéos de Tones. Alors certains, j'ai vu que qu'il y en avait qui les appréciaient, mais qu'en termes, par exemple, de vues, ça n'attirait pas autant de monde que les vidéos de Warband. De toute façon, j'ai remarqué que sur la plupart des jeux indépendants, ça fait la même. Excepté Minecraft. Voilà, même en mettant n'importe quoi du truc le plus pourri possible, le nombre de vues croît très vite. Donc le temps que je l'ai tué. Oh oui, je vais aussi bon, en passant au remerciement. Alors je remercie. Oula, je suis dans la merde. Zéro point de dommage. Il est nul. Ah non, c'est moi. C'est moi qui suis nul. Je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires durant la semaine, passée. Allez, fuyez, bande de sous-merde. Fuyez vers la rivière. Ils ont laissé des commentaires très positifs à propos de mes vidéos sur Warband. Je vous en remercie de tout cœur. Allez, viens par là, toi. Viens. On va discuter tous les deux. Ah, vous voulez me faire chier maintenant, hein? C'est qui le boss? C'est qui le patron? C'est qui le papa? Oh, vous allez prendre cher. Allez, toi aussi, c'est ton tour maintenant. Le fumier! Ah, comment il m'a trollé! Ah, le fumier! Ah, c'est pas un vivant? Non, même pas. Pff, la loose! Ah, le fumier! Ah, je vais pas m'en remettre! Le fumier, le gros fumier, je vais le massacrer, je vais le retrouver, lui, toute sa famille, sa descendance, je vais tous les tuer, voilà, pour me venger. Ouais, enfin, ça serait peut-être une perte de temps d'aller poursuivre la famille d'un pecno quand même. Il en bouseux pour la zigouiller. Ça serait peut-être une grosse perte de temps, Dieu. Excusez-moi, ça serait peut-être une grosse perte de temps. 1108!